www.dialogue.com. www.congomasolo.com. Kitoko. Obi Ronaldino, le king is back. Bolandara mingi. Congo dialogue. Francine Ngembe, mission à www.congo dialogue. La pluie, plus de la moitié de la vie, le soleil, de
richesse. Que faisons-nous de toutes ces bénédictions que le Seigneur nous donne? Nous négligeons le social de nos populations et notre pays est parmi les derniers de la classe dans de nombreux secteurs et se distingue avec l'absence d'un état de droit, d'un gouvernement démocratique et la persistance d'une gouvernance défaillante et d'une corruption endémique. Sommes-nous heureux de vivre dans ces conditions? Non, jamais. Sommes-nous heureux d'être privés de l'accès aux soins de santé? Non. De subir la baisse de la qualité de l'enseignement? Non. De voir la faim habiter dans de nombreuses familles congolaises? Non. D'observer la dégradation de l'environnement? Non. De voir l'assainissement se dégrader? Nous ne sommes pas heureux de voir tout ça. Comme la plupart d'entre nous, j'ai mal que notre pays soit classé parmi les derniers pays d'Afrique en matière de gouvernance. J'ai mal que notre pays soit classé 171e sur 178 pays dans le monde en ce qui concerne la corruption. J'ai mal quand, à cause de la corruption, notre pays perd, nous perdons chaque année 15 milliards de dollars. Qui le dit? C'est d'ailleurs le conseiller spécial du champ de la corruption. Nous perdons 15 milliards de dollars chaque année. En matière de droits de l'homme. Je suis révolté de voir des viols répétés commis en toute impunité en RDC. Je suis également choqué par le manque de volonté politique du pouvoir actuel de promouvoir la parité homme-femme dans les institutions et de promouvoir la classe moyenne congolaise. Mais, retenez ceci, nous pouvons changer où nous allons si nous changeons qui nous conduit.
prochain. Je suis déterminé à œuvrer pour la restauration de la paix et de la sécurité dans le pays. Par la mise en œuvre d'une solide réforme du secteur de la sécurité, le rétablissement de l'État sur l'ensemble du territoire, le contrôle de nos frontières, la mise en effective de la décentralisation. Je suis déterminé à œuvrer pour la fin des violences sexuelles contre les femmes et nos enfants, ainsi que les tragédies humanitaires. Je suis déterminé à œuvrer pour la lutte contre la corruption, l'impunité et la réforme de la justice. Je suis déterminé à œuvrer pour l'instauration d'un état de droit, la protection des droits de l'homme et la promotion de la démocratie. Je suis déterminé à œuvrer pour l'amélioration de l'accès des populations à l'eau courante et à l'électricité. De santé de base et l'accès à des logements décents. Je suis déterminé à œuvrer pour lutter contre la baisse de la qualité de l'enseignement dans ce pays. Pour la réforme de notre système éducatif, et je veux investir dans l'éducation et la jeunesse. Je veux œuvrer pour la reconstruction, la redynamisation de notre économie pour éliminer l'extrême pauvreté de nos populations. Et cela, on va le faire comment? En misant prioritairement sur le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie, qui sont des secteurs créateurs d'emplois de masse. Et je veux aussi développer l'énergie. D'ailleurs, vous avez vu aujourd'hui, nous avons été victimes des problèmes d'énergie. Voilà, on vous a gardé dans une salle comble, mais transpirant parce qu'il n'y avait pas de courant. Je veux aussi œuvrer pour le développement des petites et moyennes entreprises congolaises et la promotion de la classe moyenne. Je suis déterminée à œuvrer pour l'égalité des sexes, la promotion de l'autonomisation économique et la participation politique des femmes congolaises. Je veux œuvrer pour la réforme de notre système fiscal. Dans ce pays, il y a des gens qui sont fortunés, qui ne payent pas d'impôts. Nous disons, ça suffit. Je veux œuvrer pour la lutte contre l'évasion des capitaux. Je veux œuvrer contre la lutte illégale de nos ressources naturelles, l'assainissement, le développement des secteurs miniers et forestiers. Et je veux œuvrer un secteur qui me tient à cœur, la protection de l'environnement, en renforçant notamment la coopération avec nos partenaires au niveau régional, international, pour lutter contre le changement climatique et préserver l'environnement pour les générations futures. Mes chers compatriotes, comme l'a dit Lumumba, l'avenir du Congo est beau. Je vous exhorte à y croire avec moi. Alors répétons en cœur, l'avenir du Congo est beau. D'ailleurs, qui dit noter?
Madame Gino. Nous ne pouvons pas savoir où nous allons si nous ne changeons pas les leaderships. Eh bien, je dis que nous avons un président qui a fait ses deux mandats, donc pas question de troisième mandat, et que nous allons aux élections, qu'il faut tout faire pour aller dans ces élections, et que le peuple congolais, surtout la jeunesse que je vois autour de moi, je compte sur eux pour choisir le bon leader dans ce pays qui les conduira vers la bonne gouvernance, qui les conduira vers le développement, qui les conduira vers le plein emploi. Regardez, les jeunes, ils terminent, ils n'ont pas de travail. Et je dis que ce leader, c'est Angèle Macombe. Et qu'est-ce que vous promettez aux Congolais une fois à la tête de ce pays ? Disons que je ne suis pas dans la démagogie en disant que tout va aller pour le mieux, tout. Mais il y a le minimum à faire. Nous sommes un pays tellement riche. Il faut bien exploiter les richesses et bien les distribuer déjà. Et puis, pour développer un pays, ce qui est fondamental, c'est l'éducation. Et moi, je compare toujours à moi. J'ai terminé mes études secondaires ici. Eh bien, regardez parfois un jeune qui termine ses études, qui a le diplôme d'État, mais qui vient d'une école pas très bien cotée. Faites-lui une dictée, vous allez voir le désastre. Donc, je dis éducation d'abord, formation, devenons compétitifs, et puis travaillons réellement pour distribuer de façon équitable les ressources de ce pays. Et que non, que nous ayons une minorité qui a tout et une majorité qui crève presque la faim. Alors, quels sont les moyens que vous avez mis en place pour arriver à votre objectif ? Allez-vous constituer des alliances ? Comment allez-vous faire et surtout où est-ce que vous allez venir ? Bien sûr, les alliances, d'ailleurs, le représentant d'une alliance est là, à côté de moi, hein, monsieur Jean Bonheur. On est dans une plateforme qui s'appelle Exode Citoyen et qui a la caractéristique d'être composée majoritairement de jeunes et de femmes. Et comme je dis toujours, c'est l'avenir de ce pays. On n'a pas voulu se perdre dans des alliances où il y a plein de partis politiques. Et vous verrez, dans ces alliances-là, il y aura des dissensions au moment des alignements des candidats, etc. Non, nous, on est un couple solide et nous rapprochons des jeunes, nous sommes à leurs écoutes pour que prendre en considération leurs aspirations et voir demain ce qu'on peut faire ensemble. Nous ne promettons pas la lune, nous disons tout simplement que nous allons gérer ce pays de façon équitable, nous allons pratiquer la bonne gouvernance, nous allons réduire les inégalités, nous allons réduire l'extrême pauvreté, nous allons promouvoir la femme congolaise et en particulier dans les institutions. Maman Angèle, sa candidate, les Lobiango, on va se la nini pour la Congolais. Na lobité que au votenga les lobby Congo échangé makamno c'est bongi non na lobby que ba congolais bisonyonso il faut to sangana pour to sala musala na Congo mais engagement nazanango na yek sera toujours bateau avant de voter moto hein, surtout période d'élection bon sala ka eloko na nga na bengaka devoir à domicile. Oye banan motoango a outi wapi kursus na ya eza wapi ninde nini asala musala nini oko o siko surtout na ba internet etc ba Google oko koye ba soki moto asala ki musala na ye en toute intégrité en toute honnêteté ou bien soki azo ki musala yibi mbongo poka kapona ye moko. Alors j'invite les gens, vous fouillez via Angèle Macombe, c'est l'exemple même de l'intégrité. Je ne dis pas que je réussirai tout, mais je pense que avec cette jeunesse que je rencontre tous les jours au Congo, une jeunesse dynamique, une jeunesse aspirante, hein, ceux qui vraiment topé si bango chance, to former bango. C'est le secret. Regardez les pays dans la sous-région. Un petit pays comme le Rwanda, ce qu'il fait en termes de formation. C'est ça que nous devons faire, nous devons viser. Une jeunesse bien formée dans laquelle nous investissons, mais ce pays va aller de l'avant. Et les femmes que nous sommes, vous et moi, nous devons donner la chance aux femmes. Merci.
congodialogue.com. Congodialogue.com.